Salut à tous et demain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le Seigneur des Anneaux Online, SDAO, Lord of the Rings Online, l'Otro. Dites ce comme vous le voulez parce que bon, il y a tellement qui l'appellent de façon différente. Bref. Avant qu'on démarre, comme vous pouvez constater, ça sera sur Bravestar, je voulais vous parler pour une chose qui est très simple. Voilà. Un petit coup de flotte, histoire de... Ok. Alors voilà. Le truc, c'est que je me suis emprisonné dans mon propre format. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais juste vous montrer les différentes classes et éventuellement vous donner envie. Mais surtout vous montrer les différentes classes pour que... Vous voyez par exemple, parce que c'est un petit peu chiant de choisir au départ, tu sais pas trop, tu dis ouais, je fais quoi, un humain, un hobbit, un nain, un elfe, bref. Et du coup, avoir un petit aperçu, ça peut être pas mal. Maintenant, le problème, c'est que je me suis un petit peu trop pris au jeu et j'ai un petit peu trop avancé mes personnages, sachant que de base, mes autres personnages, donc il y a mon personnage principal qui est Brave Star. Et les autres personnages, généralement, je fais pour la chasse aux points turbines. Les points turbines, ce sont les points SDO. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus haut coffret, je crois qu'il coûte 4 000, si je ne me trompe pas, points. Et actuellement, on est qu'à 125, sachant qu'il y a d'autres trucs à acheter entre-temps. Donc, pour ma part, à l'époque, quand je faisais la chasse aux turbines, j'avais mon compte principal, donc la Brave Star, et tous les autres comptes étaient des comptes désuets que je m'en foutais complètement. C'était généralement toujours des humains chasseurs, puisque je me concentrais uniquement sur les faits de tueurs. Vous savez, ceux vous tuez sans araignée, vous, enfin, dans ces. Je sais plus, c'est 20, 60, et puis je sais plus. Enfin, je crois que c'est 20, 40, 60. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais bon, vous avez 3 niveaux. Généralement, ce que je faisais, c'est que je faisais les différents comptes et je faisais que les faits de chasseurs de Bray. Donc, je faisais que des humains chasseurs. Comme ça, je recommençais toujours au même endroit. Je savais où aller, etc., etc. Il est sûr que pour vous, ça n'a aucun intérêt de voir 50 fois la même chose, d'aller voir la chasse au point SDAO. Mais ce que je peux vous proposer, c'est que... Qu'est-ce que t'as? Désolé. C'est qu'actuellement, on a avancé avec Petit Dark, Dark Cousteer, Bargadan. On va les effacer. Je vais les effacer. Et je vous propose, c'est pour ça que là c'est important que vous me mettez dans les commentaires si je continue comme je fais là. Et là, vous voyez qu'on avance très lentement, surtout quand je vous fais un speech d'une demi-heure avant. Mais c'est important. Soit on efface les personnages, je fais un personnage pour aller chercher les pièces SDAO comme je vous ai expliqué précédemment. Et je fais un personnage où je vous montre les autres classes, les autres métiers qui étaient à la base mon ce que je voulais faire, tout en faisant en même temps le gain des points SDAO. Sauf que je fais trop d'histoires avec chaque personnage. Et c'est un petit peu là où je me suis pris un peu dans le jeu, c'est qu'en voulant vous montrer la classe et compagnie, j'ai commencé à faire les quêtes et tout ça, alors que le but... des personnages secondaires, tertiaires et quartaires. Enfin bref, les trois autres personnages du cours de gratuit. Le but, c'est juste d'amasser des points turbines le plus rapidement possible pour pouvoir débloquer pour le compte les différentes choses. Bon. Pour l'instant, c'est pas ce que je fais. Donc, là, on va lancer la partie. Et à vous de me dire dans les commentaires, donc, qu'est-ce que ça m'avance moi? Parce
ça m'avance à pouvoir faire plusieurs fois plusieurs vidéos sur mon personnage, sur Brave Star, et prendre suffisamment d'avance pour pouvoir faire les autres vidéos. Parce que vous savez, faites le rapport un tout petit peu. Vous avez une vidéo, si c'était plus, par jour, chaque jour de la semaine. Donc, ça fait déjà 7 jeux différents que vous avez. Ça commence à devenir compliqué. En plus des lives, vous savez, en plus que j'ai été malade, et je le suis encore d'ailleurs, dernièrement, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de... Alors attendez, hop, voilà. De faire. Oh toi, petite libellule, pierre brillante. Encore? Alors, ça, je m'en fous. Putain, mais sérieux? Ouais, c'est celle-là. Putain, ils sont chiants avec ça. Hein. Bon, alors. Me change tout à chaque fois, c'est relou. Ouais, non, mais ils ont changé les trucs en fait. Pardon. Ah merde, j'ai déjà tout utilisé, ok. Ok. Sérieux là? Ok, ça c'est bon. Ça. Compassion. Ouais. Ok. Alors, voyez, et le but en fait, ça serait... Hop. C'est de faire cela. D'accord. Et de finir ce truc-là. Alors, est-ce qu'on a des quêtes on avait tout fini? Construction des résidences, je m'en fous, salle d'ordre. Oh, il faudrait qu'on fasse ça.
va faire celle-là. Mais avant, on va terminer. Tuer les êtres, les êtres spectraux. Ainsi que. Est-ce que ça m'a foutu d'autres trucs? Non, je crois pas. Si, ça, ça me dit rien. C'est quoi ça? Cri du chasseur. Le chasseur est capable. Évidemment. Ok. Alors, déjà, on va activer ça. Et voilà. Alors, hop. Rune d'amélioration, rare. C'est la merde, ça, je sais pas. Donc voilà, voilà, voilà. Je suis aussi les actes des peuples, les êtres spectraux. Non. Ah ouais. Mais ça me permettrait en même temps de vraiment avancer sur
Pardon. Je l'ai pas jugé, faut qu'il avait, qu'il avait stoppé là. Ah non. Trouver le tombeau de l'ombre et l'ombre. Ah, j'ai plus assez de place. Eh ben, non. Tant pis pour ta gueule. Faut que je finisse d'abord des quêtes. Un peu le problème. Merde.
vous imaginez comment c'est... C'est long. Faire quoi que ce soit... Si en plus on, à ça on rajoute... Ah, salut. J'ai fait 60 là, non. Je pas de ça, mais c'est toujours ça de prix. Uppercut. Il m'a foutu. Il va faire un coup de poing à votre ennemi. Pourquoi pas essayer. Un peu que la vie et que la vie elle remonte et c'est parti. Un trait. Thank you.
Merde. Et vous voyez, c'est typiquement ça que je disais. Voilà. Une fois que lui, il les a fait, il les a fait. Et puis les autres, ils les font en boucle, comme ça. Je rappelle plus trop. Ah, je me rappelle qu'ici il y a une. Ça s'appelle une espèce de grotte qui est horrible. Une espèce de donjon de la mort là. C'est long, c'est lent, c'est 15 tonnes de. Chien, il m'a quitté. What? Pourquoi j'ai des. J'ai gagné un niveau ou. Ha!
Merde. C'est les plus chiants. Oh, j'ai des coups de lag là, je sais pas pourquoi. C'est chaud quand même. Ah, hop, on peut faire comme ça aussi pour récupérer la simon d'avis. On en est à combien là? 28 et 34 pour les êtres spectraux, d'accord. On va aller jusqu'à... On va faire 6 Être spectro, pardon. On s'arrêtera là, ça fait déjà un petit moment. À combien là? 43. On a même dépassé la 40. Ça serait bien de se faire deux braguesses au moins. Et puis ben, ça sera pour une autre fois. Voilà.
protection animalier. Forcément, il faut qu'il apparaisse à ce moment-là. Pas dedans. On a combien en Bargues? On a 30, c'est bon. On va s'arrêter là. Où c'est que je peux aller? Alors, attendez. Merde. C'est chiant, celui-là. On va prendre ça. On va essayer de se mettre à un endroit pas trop. Oui, la peste, c'est vrai. Hop. Je crois que là, c'est un pass. Oh merde. Ici, ça va le faire. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'attends réellement dans les commentaires que vous me dites hein, qu'est-ce que vous pensez que l'on fait alors. Est-ce que l'on... Rappelez-vous, la question c'est est-ce que on arrête Bargadan et compagnie et on fait juste des comptes pour pouvoir avancer dans les points SDAO pour pouvoir améliorer le compte, pour pouvoir avoir accès aux nouvelles quêtes, aux nouvelles zones à la suite de l'histoire et compagnie. Et avec Bargadan, avec Brave Star, on se concentre sur l'histoire. Est-ce que je continue à vous présenter les autres classes
Donc en effaçant toujours pareil hein, les différents personnages. J'ai besoin de savoir de la façon que vous voulez qu'on fasse les choses. Hop, on va déconnecter. Ce sera plus simple. On va laisser se déconnecter, c'est plus correct. Donc soit, comme je vous ai dit, hein, dites-moi dans les commentaires si est-ce que donc les trois autres comptes, je les prends uniquement pour, enfin, quand je dis compte personnage, je les prends uniquement pour faire de la chasse au point Seigneur Zeno Online, ou je vous montre le restant des classes et je sais pas s'il nous reste encore des métiers à découvrir. Enfin bref, que je vous montre ça et après, hop, bah, on passera justement sur full recherche des points Seigneur des Anneaux Online. Je pense que je vous ai montré à peu près la majorité des choses en plus dessus, donc c'est pour ça que j'ai vraiment plus envie d'avancer un petit peu sur le jeu. Que de vraiment continuer à faire sur chaque compte, avancer un tout petit peu, faire une mission ou deux. C'est pas très ouf en soi. D'accord? Bref, sur ce, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.